Et bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc là, je vais faire un petit tirage de cartes avec les portes de l'intuition. J'avais commencé et bon, j'ai eu un souci. J'ai fait tomber mes cartes, j'ai débranché les fils. Donc là, le film, c'est la carte qui était ressortie. Donc le message de la carte, c'était: c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà, donc il faut arrêter de rêver et maintenant essayer de se recentrer sur vraiment les choses essentielles de la vie. C'est ce que ça vous dit, hein. Voilà. Voilà la première carte qui était sortie. Alors, je vais faire un petit tirage. Donc, ça va être aujourd'hui un tirage intemporel, hein. Voilà, prenez ce qui vous parle. Hein, voilà. Alors, la carte de la coupe, on va regarder, c'est quand même intéressant. Ça nous dit la non-résistance et la nouvelle page. Donc, effectivement, là, ça vous dit qu'il faut pas résister au fait qu'il y a des changements et que, en fait, on a l'impression qu'on est poussé à changer notre destin, en fait, hein, à passer à autre chose et surtout à ouvrir une nouvelle page. Et ça vous dit, donc là, c'est marqué, en acceptant votre responsabilité des choses, la solution émerge. Voilà, il ne faut pas résister, il faut accepter une situation qui peut-être n'était pas voulue. Ben, il faut quand même l'accepter, parce que c'est le fait d'accepter les choses que les choses changent. Voilà. Et là, la carte suivante, la nouvelle page, donc préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc là, on est bien à l'aube d'un changement. Alors, donc là, c'est un tirage général, hein. Donc on va en tirer une là, une autre ici. Voilà, on fait un tirage en croix. Voilà. Donc moi, c'est un tirage qui est assez bénéfique, hein, enfin assez positif pour l'instant. Donc on a cette carte qu'on a tirée tout à l'heure dans la coupe, préparez-vous au changement qui s'annonce. Donc pour vous, dans votre vie, vous êtes à l'aube vraiment d'un grand changement. La carte qui est en face, c'est-à-dire que c'est une carte qui est en opposition avec celle-ci. Donc là, donc ça veut dire que par rapport à une bonne nouvelle que vous allez recevoir, vous allez pouvoir tourner la page. Hein. En vous réjouissant du bonheur, du succès d'autrui, ils réagissent et ils rejaillissent naturellement sur vous. Voilà, donc vous allez avoir une bonne nouvelle. Et en carte de synthèse, on a le pont du futur. Donc envisagez le meilleur, imprégnez-vous de cette idée avec ardeur, elle aura tendance à devenir réalité. Voilà. Donc vous pouvez commencer à faire avoir une nouvelle vision en fait de la vie. Hein, c'est ce que nous disent les cartes. Hein, avoir une nouvelle vision. Parce que vous pouvez envisager le meilleur. Voilà. Et là, en carte de synthèse, donc nous avons la force de conviction. Donc, votre foi et votre force de conviction ont besoin de s'enraciner au plus profond de vous et tout devient possible. Voilà, moi ça me fait penser aussi que cette carte me dit qu'il faut que vous ancrez, hein, sortez dans la nature, allez voir votre famille, des gens que vous avez longtemps que vous n'avez pas vus, vos parents, vos grands-parents. Donc, il faut essayer de relier, vous relier, hein, à votre famille et puis surtout à la terre. Hein, voilà. Faites des plantations, faites le jardin, allez vous promener dans les bois. Voilà, toutes ces choses qui font que ça qu'on se sent mieux après, hein, au contact de la nature. Et là, on ne se rend pas compte, mais des fois, il suffit juste de ça pour qu'après se sentir beaucoup mieux et surtout avoir l'esprit beaucoup plus clair. Voilà, s'enraciner au plus profond de soi, c'est ce qu'on nous dit là. Et tout devient possible.
Voilà. Souvent, quand on ne se rend pas compte, mais on a des doutes, on ne sait pas trop, ben, c'est aussi dû à un manque d'ancrage. Voilà. Que si on retourne à la terre, eh bien là, on se rappelle pourquoi. On se rappelle pourquoi, voilà, on est, ben pourquoi on a choisi cette telle ou telle situation, pourquoi on a choisi de vivre ici, pourquoi on s'est marié, pourquoi on a eu des enfants. Non, c'est vrai, c'est des questions qu'on ne devrait même pas se poser, mais même quand il faut se rappeler quand on était jeune, par exemple, quand on était au lycée, qu'on disait moi je ferais ci, moi je ferais ça. Eh bien, essayez de vous rappeler. Quand vous aviez 18 ans, 17 ans, ce que vous parliez avec vos amis. À l'époque, quelles étaient vos envies? De dire par exemple, ben moi, quand je serai adulte, quand je serai mariée, je ferai ça, je ferai un grand voyage. Ou moi, ben je ferai, j'irai, je ne sais pas, faire. J'irai dans un autre pays pour aider les gens à aller mieux, je ne sais pas, moi, aller soigner des gens. Voilà, on a tous eu des rêves à un moment donné de sa vie et peut-être qu'on ne les a pas réalisés. Ben, peut-être que là, pourquoi pas, c'est le moment de vous dire, eh ben, oui, c'est vrai, j'hésite et je ne sais pas pourquoi j'hésite sur ce que je veux dans la vie. Et pourtant, à 20 ans, peut-être que je le savais, mais j'ai perdu de vue cette idée. Voilà, la force de conviction. On va tirer d'autres cartes pour voir un petit peu si ça nous ouvre d'autres portes par rapport à ce tirage. Alors, je vais ranger ça. Tac. Alors justement, pour éclaircir un petit peu, je vais demander à vos guides de Sonia Choquette pour voir dans quel état d'esprit on est et vers quoi on va, hein, vers quoi on va aller. Hop là. Donc, on est dans cet état d'esprit-là, donc des prises de décision. En fait, le titre de la carte, c'est décision. Voilà, on voit une personne qui est tiraillée entre deux personnes ou deux situations. Enfin, le dessin, en fait, vraiment, il y a deux personnes qui lui tirent le bras de chaque côté. Donc, voilà, tiraillée entre deux personnes. Voilà. Et justement, donc, on va voir s'il y a une réponse par rapport à ça. Alors, j'ai cette carte qui voulait sortir, hein, mais j'en vais en sortir une autre. Ça nous dit invention. Il est temps de réinventer votre vie. Voilà. Invention, ça veut dire qu'il est temps de créer. Il est temps de revoir. Continuez votre vie en la réinventant. Qu'est-ce que ça nous dit là? Hop, je vais en tirer une autre pour voir justement ces prises de décision. Qu'est-ce qui va faire pencher la balance, justement? Donc, une fois qu'on s'est ancré, qu'on a. Ah, j'ai encore la carte de la créativité. Donc, il faut créer, guide de la créativité. Créer, peindre. Il faut. Je pense que vous trouverez la solution en vous adonnant à des plaisirs, des loisirs qui sont liés à la créativité, la peinture, écrire, lire, jouer un instrument de musique, faire du jardin, enfin, voilà, toutes ces choses qui vraiment, en fin de compte, vide la tête, hein, et en même temps, et comme ça laisse la place justement à la réponse.
Est-ce que moi, ça, les cartes, elles me disent, est-ce que vous êtes pas trompé de chemin, justement? Est-ce que vous n'êtes pas égaré un instant? Donc, il est temps de revenir à vos priorités. Alors, hop là, oups, ça en va partout. On a la carte affaires, mais dans Vénus, les affaires. Donc on voit deux personnes, une personne avec une sacoche, une autre qui lui serre la main. Et on a une femme tout en rose qui les regarde.